Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge. C'est incroyable cette quantité d'étoiles à Enfandombegli. Oui, c'est le ciel, hein. Ah, je vous confirme, c'est le ciel, regardez. La maison est là. C'est incroyable, hein. C'est juste dingue. On est bienvenue dans cette nouvelle maison, nouvelle étape de la vie, bien sûr, du Lord and Lady Challenge, puisque nous avons commencé déjà la génération noble et un petit bébou est arrivé pour combler les cœurs d'Althea et de Willem. Mais peut-être qu'il y en a un deuxième en route. Ça, on a tenté la semaine dernière. Reste à voir si ça a pris. En attendant, la petite famille dort à poing fermé au chaud avec leur cheminée. Oh là 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 là! Eric Chalot, et donc le père de Willem, vient de partir rejoindre Adélie, la mère de notre belle Althea, dans un autre monde. Bon, et ben il se lève quand même de bonne humeur, le petit. Tu peux aller voir ta petite fille et la serrer dans tes bras. Peut-être qu'elle sera contente de te voir. Bon, la chambre est très vide, hein. J'en ai bien conscience, mais on n'avait pas le sou pour acheter mieux. Donc voilà, il va voir serrer sa fille dans ses bras et puis il va prendre un petit déj. Althea a une grosse faim également, hein. Bah tu vas te lever, ma biquette. Tu vas t'occuper de ta fille également. On va peut-être savoir si bébou numéro 2 ou pas bébou numéro 2. Dis donc, la nuit a creusé l'estomac de notre petite Althea. On va remonter ça dans le verre et on va attendre voir s'il y a une double flèche ou pas. Oui, double flèche. Aïe, 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 ça y est. Bébou numéro 2 est en route. Bah dis donc, alors qu'elle est en train de courir dans les environs, ça va déjà être Noël demain. Ça veut dire que... Oh purée, mais oui, on est passé en hiver. En voilà un qui est pile dans le thème du challenge, évidemment, hein. Oh, regardez qui vient nous rendre visite, c'est Percy. Excuse-le, Willem, il pue un peu. Mais il va aller se rafraîchir rien que pour toi, t'inquiète. Tu vas être lavé ce qu'il faut. Et inviter Percy à rentrer. C'est qui cet énergumène également, Julien, madame? Ah, mais ça doit être le petit frère de Willem. Trop bien. Il a grandi, il est devenu adolescent. Salut mon bro, comment vas-tu? Tu es magnifique aujourd'hui, comment va la famille, Catherine, tout ça? Alors, Althea, t'es barbouillée? Ça te rappelle pas des trucs? Coquine! Tiens, c'est qui celui-là aussi? Présentation amusante! Bah, tu vas te présenter à cet homme-là aussi, hein, si c'est un gars du quartier. Mais qu'est-ce qu'il chante encore? Je suis sûre qu'il a encore fait la vaisselle. Lui faire la vaisselle, pour lui, ça lui donne envie de chanter, quoi. Bon, en tout cas, les oiseaux l'entendent pas, c'est toujours ça de bien. Oh, parlons des oiseaux, on devrait y retourner. Oh, merci Alice Lopez d'avoir fait des saucisses sans lactose. Évidemment, tu vas me prendre une petite portion. Mais madame, mais pourquoi vous faites beaucoup de saucisses comme ça? Je sais que vous l'avez vu il y a pas longtemps la saucisse, vu que vous êtes enceinte, mais quand même, c'est pour une raison. Oh damn! Les premiers flocons de neige arrivent! Oh, bah écoutez, vous savez que j'ai pas eu l'occasion de découvrir Enfort sous la neige, avec les saisons, donc vous voyez ce que ça donne. Premier jour de l'hiver. Oh, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça, ce paysage. Avec ce soleil incroyable. Alors, il neige, mais il n'y a pas de nuages. C'est la logique des Sims. Oh là là, regardez-moi ça, la couleur du ciel. Magnifique. Et la nuit tombe déjà. Ouf! La lune est là. Énorme. Elle est gigantesque. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est parti se coucher. Ah oui, 22h. Effectivement. Il se fait un peu tard, j'avais pas capté. Bon, ben puisqu'il se fait tard et que en plus on n'a pas encore vendu toute notre production de la semaine et que Althea prend son bain, on va le faire en même temps. Nous sommes à 17 Simflouz, c'est facile à retenir, hein. Et on va vendre ce qu'on peut vendre. Donc nous avons une toile classique moyenne à 163, hop, et nous avons 6 toiles... Petite toile classique. Ça fait 610 en plus. On a deux toiles ici. Ah, j'avais oublié celle-ci à 249. Classe. On la vend. Sachant que la grande toile ici, c'est celle que Gaspard a fait au mariage de sa sœur et qu'elle a volée. Donc, il faudra qu'on lui rende un jour, évidemment. Et chez Willem, eh ben, lui, il a quatre petites toiles qui rapportent presque 400 simflouz. Ça fait un total. On est monté à 1437. Bon, c'est pas encore le Pérou, comme on dit. Je vais enlever la part du Seigneur qui s'élève à 15%. Sur cette génération. Juste que je pense que là, notre première semaine va être un peu tendue, mais je vais calculer ce qui nous reste dans la poche. Pendant qu'elle s'éclate dans sa baignoire, j'ai fait les calculs. Nous avons donc vendu pour 1420 simflouz de toile. Et la part du Seigneur étant donc à 15% pour cette génération, nous devons seulement la somme de 213 simflouz. Ouais, c'est vraiment pas énorme. Ça fait qu'il nous reste dans notre petite besace, tout simplement, 1224 simflouz. Et ben, c'est pas mal. Si on dépense pas les moindres 100 simflouz pour faire n'importe quoi, avec des toiles, hein, et ben, on devrait pouvoir s'en sortir. En tout cas, si on investit tout dans des toiles. Oh!
Ça y est, j'ai eu la notif. Manger pour deux. Ah, minuit 15 quoi. Allez, va le dire à ton amoureux. Enfin, ton mari. Oui, Nubu. Oh, c'est trop mignon. Bon, maintenant, on va t'occuper de Guenièvre. Voilà, ça va toujours mieux quand ça se tait, les enfants. Ah, Wilhelm. Il est venu s'assurer que tout allait bien. Et c'est parti, une petite proposition malhonnête plus tard. Yakla. Allez, c'est parti. Faites-vous plaisir, c'est cas de le dire, dans votre petit lit conjugal douillet. Ah non, mais elle va pisser maintenant. Mais Althea, dans quel état tu t'es mis? Oh là 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 là. Je pense pas, vous allez pas faire crac-crac maintenant en fait. Hein, elle va aller faire pipi avant et elle va aller manger. Oui, non, mais pas... Non, après. Non, tout de suite? Ok, oh là là, je sens les catastrophes arriver moi avec ces bêtises. Ok, bon, bah ils y vont quand même. Hein. L'envie était trop forte, on dira ça. Allez, elle est lessivée, la petite Althea va aller se coucher. C'est l'anniversaire de Guenièvre, donc elle devrait grandir d'ici 24 heures Sims. Oh là là, c'est Noël! Parce que je peux pas faire beaucoup de déco, moi. Ça va être sympa, cette histoire. Aïe, 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 pendant qu'on s'occupe. Oh! 1085 de... Oh là là, de facture! Mais les taxes de terrain sont incroyablement élevées! Je sais bien, ils sont nobles, tout ça, mais là... Ça va être compliqué, hein. À mon avis, les huissiers vont pas tarder à arriver. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, non, ça va être complexe, là, les enfants. Ils ont des biens qui font partie de la maison. On pourrait peut-être se débarrasser d'une ou deux choses qui sont des meubles, mais qu'on a avec la maison, je veux dire. Donc, c'est dans la valeur. Par exemple, un plan de travail, on peut en supprimer un. Mais oui, on a une cheminée qui sert à rien ici. Alors déjà, tu vas sûrement pas... Tu vas éteindre là, sans foutre le feu à la maison. Ce serait cool, parce que là, ce serait pire que mieux. Mais on a une cheminée ici qui nous sert pas. Elle fait partie des biens de la maison. On peut très bien dire qu'on revend parce que... Voilà, bon, ça commence mal la génération noble, on va dire ça, mais... Voilà, faut ce qu'il faut aussi, hein. Althea n'était pas encore entrée en communication avec les oiseaux. Ils discutent un petit peu. Interaction sociale, demander s'ils ont un appétit d'oiseau. Elle peut pas encore chanter. Tu vas mieux, Wilhelm? Tu vas me faire une petite toile classique, histoire de commencer à renflouer la caisse. Ma pauvre petite Althea. Elle s'est écroulée sur le canapé, là. Faire une petite sieste. Et une première toile de terminée. 115. Bon, c'est pas ce qu'il y a mieux, hein. Je pense que t'aurais pu mieux faire. Est-ce qu'elle peut te dire des choses? Ah, oh, cadeau de Noël. Allez, on va t'offrir un œuf décoré. Alors, il n'y aura pas de grandes effusions, malheureusement, dans ce Noël-là. Il n'y aura pas de déco, parce qu'on n'a pas de budget. Oh, imaginez, on peut pas payer nos factures. Si, on peut. Chercher des cadeaux de Noël. Comment? Tu vas chercher des cadeaux de Noël dans la boîte aux lettres? Pourquoi pas? Sait-on jamais? Ça peut être intéressant, hein. Alors? T'as vraiment reçu un cadeau? Un jeu de vessie de la part de Guenièvre? Un jeu de vessie? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ce que tu dis n'a aucun sens. Je savais pas que la vessie était un jeu. Paye les factures parce que... Voilà, il nous reste 89 simflouzes. On est lundi. Ah, les factures de l'angoisse. Tu vas me faire une toile classique à 50. Et on va vendre direct celle qu'on a reçue, histoire de renflouer légèrement la caisse. Mais c'est un peu tendu. Je vous fais pas dire. Le jeu de vessie, c'est un bouquin. Oh, mais on aura enfin un livre dans notre bibliothèque, si c'est pas merveilleux. Merci, Guenièvre, depuis ton berceau, tu es adorable. Tu sais quoi, Althea, ce serait génial si tu me faisais une œuvre d'art, mais vraiment genre le truc qui vaut super cher. Ce magnifique clown devrait vouloir valoir au moins 500 simflouzes. Hein? Non? Bon, c'est pas une œuvre d'art, mais elle vaut 142. Nous sommes à 39 simflouzes. Je vais recommencer. En fait, vous avez le droit de faire ça si vous avez en manque d'argent, hein, évidemment. Si vous avez besoin d'argent, vous revendez vos prods et puis bah, vous renflouez vos caisses comme vous pouvez. Nous sommes à 39 simflouzes. On va vendre ça pour 142. C'est parti, 142 simflouzes. On va revendre également celle de Wilhelm qui valait 115. C'est pas énorme, mais au moins ça fait de monter à 296. Et puis après, vous refaites votre petit calcul pour enlever la part du seigneur. Et du coup, ces petits sous-là, les 15%, ça fait un gain de 257. Et vu qu'on doit 38 simflouzes à la part du seigneur, il nous reste 258. Ben voilà, le budget est quand même nettement supérieur, quoi. Comment tu vas, ma colombine? Ça fait plaisir de te voir. Tiens, ma sœur, vu que tu passes, je t'offre un magnifique cadeau. Une boîte temporelle de très piètre qualité, mais bon, au moins, si t'es contente. Tu peux m'en offrir des cadeaux aussi, ce serait cool. Hein. Ah, bah oui, sœurette. Oh, partage la grande nouvelle, évidemment. Tu es enceinte, de nouveau? Eh oui,
Ça commence à pondre. Oh, elle est contente, mais oui, ta petite sœur est encore enceinte. Ça, c'est trop bien. Heureusement que je les surveille, hein. Il allait balancer une peinture, là. Non, Jacqueline, tu viens là. Il est hors de question. D'ailleurs, je te fais débugger parce que j'ai vraiment pas envie que tu fasses n'importe quoi. Allez, grâce à ce petit renflouement des caisses, on peut se faire 5 petites toiles de 56 flouzes. Et avec les 5 toiles, si elles valent 100 minimum, eh ben, ça nous fait 500 à peu près de gagner. Et vous imaginez un petit peu comme ça, et ben c'est top. Allez, en plus, elle gagne un niveau 5 de peinture. J'espère que t'arrêteras de nous faire des trucs aussi moches quand même. Hein. Sauf si ça vaut très très cher. Mais allez, on va se renflouer timidement les caisses comme ça, parce que bon, avec un hibou et demi, va falloir qu'on assure aussi. Hein. Ah, la petite est en train de pleurer. Mais je tiens quand même à ce que tu finisses cette toile pour qu'on voit à peu près si t'as réussi à faire monter les skis. Mais j'ai oublié de la lumière dans cette maison. Ah non, la lumière, elle est là. C'est quand même très sombre. Hein. Alors, combien? 127. Bon, ça fait un peu plus de 100 simflouzes en rendu. Donc c'est cool. Allez, va t'occuper de ta fille. Avant qu'elle devienne bambine, parce que... Oh my god, ça va pas tarder non plus, cette histoire. Alors, dis-moi tout, Althea. Ta fille, elle est blonde ou rousse? Oh, puis t'es fatiguée, ma biche. Tu vas aller prendre... Qu'est-ce qu'il fait, lui, le malandrin? Mais il veut faire la cuisine. Mais quelle mauvaise idée, dis donc, mon petit. Mais non, et puis en plus, tu dépenses le peu d'argent qu'on a. Oh là 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 là, quel enfer. Tu veux nous faire quoi? Une salade de jardin? Tu t'arrêtes tout de suite? Non! Le pire, vous savez quoi? C'est que je lui ai demandé d'aller aux toilettes en plus. Hein? Il n'y a pas été. Oh. Mais maintenant, il veut le mieux. Il veut participer à la cuisine. Mais non! Tu t'assois et tu attends. Eh oui, je sais bien. Ah, c'est malheureux. Mais à cette époque-là, l'homme allait rarement en cuisine. Hein. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Guenièvre est une bambine. Ta ta ta. Et elle est donc rouge. En tout cas, Guenièvre est rouquine et elle sera en tant que bambine 1, 2, 3, curieuse. Très bien, Bichette. Oh, regardez-moi cette petite, ce petit minois rousse aux yeux bleus. C'est assez beau. Bon, pour l'instant, elle tire un peu la gueule. Juste un petit peu. Mais, oh, elle a une bouille. Trop cute. Ouais, bon, bah, il va falloir aussi acheter des choses pour elle, quoi. Super. Alors qu'Althea a fait aussi de justesse un pipi. Mais cette fois-ci, qui est bien arrivée là où il faut, sur les toilettes, elle est pas bien, elle est pas très très bien. Et puis elle va aller se coucher, hein, parce que bon, il est tard là, j'ai pas compris. Il s'est passé un laps de temps, j'ai pas pigé ce qui s'est passé. Encore une envie de vomir ou de... Ouais, de vomir pour le coup pour Althea. Bon, pendant que la petite, je la fais déambuler parce que pour l'instant, elle ne pourra pas bouger dans les escaliers. Bah c'est bien parce que si Althea se lève, elle pourra lui donner à manger parce que là, elle est dans un état, la petite, c'est pas possible. Oh, pauvre bichet. Ta nuit était compliquée. Oh là là, t'as raté ton jour férié de Noël. Quelle tristesse, mon petit. Bon, mais écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore eu le bug de Guenièvre qui grandit. Ça veut dire qu'on a un berceau gratuit. Ah ouais, ça va rajouter un peu de beurre dans les épinards qu'on n'a pas. Hop, j'en ai un gratuit. On va le vendre et puis celui-là, il est ok. Du coup, on est monté à 344. Ouais, je retire pas d'argent dessus parce que c'est le jeu qui me le donne. Donc voilà. On va acheter un petit lit pour Bambin du coup. On va mettre le bébé là, futur bébé là. Parce qu'il va hurler et tout ça et il réveillera pas Guenièvre. Et Guenièvre, on va la laisser ici. Bon, vu qu'on a gagné un peu de sous-sous, enfin un peu de sous-sous, j'ai dépensé quand même... pas mal pour le lit, hein. Voilà, on a un lit. Mais elle va faire un peu de peinture pour qu'on puisse les revendre, hein, et se refaire un pactole assez rapidement, parce que sinon, c'est la mouise. Oh. Et lui, il est parti lire son livre, l'unique livre de notre bibliothèque, sur le lit. Ah, tu l'as fini. 131, ça c'est cool. Tu vas me faire une classique à 50. Puis les 3, bah, on les vendra à 44 sinflouz. Bah oui. Ah mince, normalement on aurait dû en avoir une autre, mais comme elle a fait à manger, bah ça a coûté de l'argent quoi. C'est réinvestissement à très très courte période quoi. Tu dépenses, tu réinvestis. Tu dépenses, tu réinvestis. Ah, un petit pipi s'impose. Oh là là! Oh là là, mais il se passe quoi là? Il va falloir que tu nettoies tout ça ma biche hein. Ah non, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette toilette, cette salle d'eau absolument dégueulasse. Allez, ouais, oui, à la grossesse, se passe pas du tout pareil, hein, mon avis, il est peut-être un mec. Parce que si ça s'est bien passé en étant une nana, oula, 177 simflouzes, oui, qu'elle a déjà une petite fille où ça se passait bien, là, que ça se passe moins bien. Oui, pareil que quand les grossesses sont différentes, c'est dans un autre sexe, on verra.
177 Simflouz. Wilhelm n'a rien dans son truc. Ça nous fait 3 toiles. Oh, à 435. Aïe, 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 aïe. Attendez. Là, ça devient sérieux, là. Là, on va opter. Hein. Nous sommes à 44 Simflouz. Ça, c'est bon, ça. 435. On a vendu pour 435 Simflouz de toile. Et ben, je vais calculer les 15% de la part du Seigneur. Eh ben, écoutez, sur les 435 Simflouz de gagner, nous devons reverser que 65 au Seigneur. Il nous reste 414. Et c'est trop bien, ça. 414 Simflouz. Ça veut dire que si on fait que des toiles... Alors, attendez, lui, je le surveille, parce qu'avec son inspiré, il va venir dépenser pour rien. Si on fait que des toiles à 50, on peut en faire 8. Et 8, c'est énorme. On va t'envoyer pêcher et récolter des trucs. Ouais, en vrai, ça nous sauverait aussi la mise, là. Il nous faut de la bouffe. Il nous faut de la thune. Donc, tu vas te mettre au boulot, mon petit Wilhelm. Crois-moi. T'es peut-être noble de nom. Là, c'est la galère, un petit peu. C'est les jeunes mariés, hein. Donc, faut y aller. Allez, Wilhelm. Eh, Wilhelm. Oh non. C'est une vieille algue pourrie. On va pas manger ça. Allez, mets-y un peu du tien. Faut ramener la manger à la maison, hein. Ah, c'est une belle toile, encore, celle-là. C'est marrant, je t'avais demandé de faire un classique. Tout... Ah, ouais, remarque. 176. Oh, mais oui, tu me fais plaisir. Tu vas me faire une petite impressionniste à 50. Allez, on a le budget pour, hein. On peut se lancer. C'est de l'investissement à court terme. Alors on le fait. Oui, il a attrapé un petit poisson. GG. En attendant, Altea nous a fait une toile à 138. On va la mettre tout de suite de côté. C'est pas mal. Ah, elle va prendre un petit bain. Regardez-le explorer les ruines, récolter des champis, des chocobés. C'est bien. Tu vas nourrir ta famille, mon petit. Et Altea nous a fait une nouvelle toile. 180. Oui. Oui, c'est ça que j'aime avec toi, Altea. C'est ça que j'aime. Tu vas me refaire une impressionniste à 50. Allez. Bon, là, c'est tendu, mais je suis contente parce que j'aurais peut-être pas à vendre la cheminée comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, tout va bien. Mais il se remet à chanter et voilà que les oiseaux sont encore en train de... Non, mais c'est bon. Allez, rentre chez toi. Qu'est-ce qu'elle fait, Altea? Oh, un petit piou-piou, mais c'est trop mignon. Altea s'est endormie. D'accord, bah, il est 21h. Elle m'a refait une toile. Meurt de froid, mais oui, mais gogolitos. Punaise, par contre, la peau bleue avec les cheveux roux, on a vu des mélanges un peu plus parfaits. Hein. Mais oui, mais il reste dans l'eau froide, celui-là. Mais qu'il est bête. Change-toi, Jean-Guy. Allez, change-toi tout de suite avant de rentrer à la maison. Ah, soit est-ce que t'as un enfant ennemi que... Quand même, on compte sur toi pour continuer à vivre. T'imagines Altea qui se retrouve seule à élever ses deux enfants? Ou son enfant ennemi, parce que pour l'instant, c'est pas si le deuxième... Voilà quoi. Oh, trop mignonne la petite toile. On dirait vraiment un cottage, quoi. On se croirait à Enford. Oh, comme c'est incroyable. En tout cas, 144 Simflouz. Ça veut dire que les 4, là, elles valent 600. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Oh, mais dis donc, ma chérie, qu'est-ce que tu caches là-dedans, voyons. Oh là là, qu'est-ce que tu es belle. J'ai mon cœur qui flanche, mon chéri. En tout cas, elle a sorti sa fourrure, hein. Bah oui, la fourrure un peu plus noble, un peu plus classe. Oh là 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 là. Ouh, ça sème, ça. Ça sème. C'est l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous allez me faire un petit crac-crac? Oh bah écoutez, c'est pas comme si elle était déjà enceinte, hein. On peut y aller, hein. C'est gratuit. Allez, c'est sur cette énième petite scène de crac-crac. Moi, je vais vous laisser pour cet épisode. N'hésitez pas à partager surtout la chaîne, l'épisode, pour me faire connaître. C'est le meilleur des soutiens. Le meilleur des soutiens, en même temps que les coms qui font monter l'algorithme YouTube. Et puis vos likes, pour que ça me fasse très plaisir. La semaine prochaine, on aura la naissance de nouveau numéro 2. J'aurai relooké la petite Guenièvre. Et puis, tout simplement, on devrait s'en sortir niveau finance. Eh oui, j'y crois, moi. Je vous ai dit, le circuit court, c'est la meilleure solution. Allez, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.